Bonjour, Geneviève Carpe, consultante en ressources humaines dans le domaine médical. J'interviens auprès des établissements de santé. J'habite le quartier de Queuilly depuis plus de 20 ans et j'ai une fille étudiante de 25 ans. Je fais partie de la nouvelle équipe municipale, adjointe au maire, en charge de la santé et de la prévention sur la ville de Champigny-sur-Marne. Ma mission est de défendre, développer et améliorer la santé et la prévention à Champigny. Pour ce qui est de la santé, dans ce contexte de crise sanitaire, j'ai coordonné la mise en place du centre anti-Covid dans le gymnase Pascal Tabanelli. Je projette d'améliorer les installations existantes et de planifier la reconstruction du CMS Ténine dans des locaux aux normes et modernes. Avec l'aide de la CPTS, je propose des emplacements à des médecins libéraux intéressés par une installation future sur Champigny, en particulier dans des quartiers les plus désertifiés. En ce qui concerne la prévention pour les jeunes campinois, je souhaite étendre le dispositif nutrition, sport, santé, déjà expérimenté dans les écoles du Bois-l'Abbé, à d'autres quartiers de notre ville de Champigny. Dans le contrat local de santé, parmi les axes importants, je veux améliorer le parcours de santé des personnes âgées à Champigny, dans des quartiers où ces personnes sont isolées, sans médecin traitant et qui ont du mal à se déplacer. C'est répondre à une demande des Campinois de rencontrer leurs élus sur les marchés. Venez nous retrouver le deuxième week-end de chaque mois, le samedi matin sur le marché du Bois-l'Abbé et le dimanche matin sur le marché du centre-ville. Au plaisir de vous y retrouver, je vous dis à bientôt.